Mes chers frères et sœurs de la République démocratique du Congo, bonjour. C'est encore votre sœur Bibi Chikolo Biyongo qui est devant vous ce matin pour essayer de changer avec vous tout autour de la situation qui traverse notre pays aujourd'hui. Ce matin, j'aimerais être bilingue pour permettre que le message soit compris de tout le monde. Bande konanga, na tongo alelo, na ye liboso na bino. Pona komeka kosolola na tina ya makambu oyo mboka na biso eza ko traverse na moment oyo. Message nanga ya lelo eza ko s'adresser et pa na biso peuple parce que biso nde tozali clé ya makambu nyonso et puis na classe politique congolaise oyo bani bengaka opposition politique congolaise. Na sali message oyo lelo parce que toza ko pousa na petit à petit na date ya le 23 décembre. Oezali date moko significatif pour na Congo pour na moment oyo. Eza date oyo eko ki ko permettre qu'il y ait un changement du système comme ezali date oyo eko ki ko tika système oyo eza ko nyoko la biso na place enfin que souffrance na biso e demeure encore. Bande konanga na ye na lingina nou komi adresse na bande kona biso oyo ba mi benga ka ba opposant. Lelo na tongo, message oyo na lingi ko adresse yango na nde kona biso ya mobali Martin Fayulu et puis na nde kona biso ya mobali Félix Tshisekedi. Na pousani liboso na bino en tant que votre sœur, en tant qu'une citoyenne congolaise, pona komeka ko lobana bino mwa mokie par rapport ya situation oyo mboka ezo traversé. C'est vrai. Na minute oyo bozali ko incarné espoir ya peuple par rapport ya ba situation mboka ezo traversé. Mais na ebite soki bozo comprendre ba anje oyo eza en face na biso. Ndeko na ngai Félix Tshisekedi. Ndeko na biso Martin Fayulu. Bo yebi yango bien. Ke soki bokei en ordre dispersé. Na ba élection ya le 23 décembre. Boko échoué et puis boko tika place na système. Ya Joseph Kabila et continue à travers son dauphin Chadari. Na lingina rappele bino eloko moko important. Bande kona biso mibale oyo Félix Tshisekedi na Martin Fayulu. Tozongi mwa sima. Totala ba date oyo ya le 19 na le 23 na le 19 plutôt ti le 21 janvier 2015. Des dates très 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 importantes oyo ezali marqué na kati ya mémoire ya biso ba Congolais. Ezali na mokolo wana na période wana que la famille politique du chef de l'État avait décidé de faire voter la loi pour déverrouiller l'article 220 de la Constitution pour y permettre que Kabila atikala na pouvoir à se représenter les sous. Le peuple était dans la rue. Cette proposition de loi, elle est kaka na niveau assemblée nationale. Et comme à niveau y a Sénat pour bandi mayango, peuple azalaki na balabala. A télémi pendant 3 jours, a bundi, il y a eu de mort, jusqu'à ce que loi wana eleka kite. Peut-être bino mokanisi que soki Joseph Kabila a se représenté telelo, eza un cadeau du ciel. Non, il y a pas, ce n'est pas un cadeau du ciel. Je veux nous rappeler cela. Pourquoi? Pona ko yebake, il y a eu un peuple qui avait vraiment ras-le-bol et qui a ras-le-bol de ce système, qui veut réellement un changement à cause de sa souffrance et que vous, vous êtes en train de vouloir boycotter tous ces efforts que le peuple a fournis à cause de vos égos. Et l'on n'y a pas de raté. Et l'on n'y a pas de solution. À tout problème de la vie, il y a toujours une solution. Martin Fayulu, Félix Tshisekedi, posa ba Congolais. Notre dénominateur Congo est commun, c'est le Congo. Vous êtes toujours
bâti à côté de ces peuples-là, qui réclament à tout prix les changements du système. Les peuples ne voulaient pas seulement que la personne de Joseph Kabila ne se représente pas. Le peuple veut les changements du système. Il faut comprendre. Parce que le système qui a été établi, c'est un système qui nous a appauvris. C'est un système qui nous a enlevé notre dignité, notre fierté. Nous ne sommes plus un peuple à cause de ce système-là. C'est comme ça que ce peuple se bat chaque jour pour que nous puissions arriver à nous en débarrasser de ce système-là. Et petit à petit, nous sommes en train de nous approcher de notre victoire. Vous avez décidé, à cause de vos égos, de boycotter tous ces efforts-là. Mon message n'est pas pour incriminer l'un ou l'autre. Je n'ai pas assisté à vos discussions, que ce soit à Genève, que ce soit à Nairobi. J'étais absente. On a eu tous les échos. Mais moi, j'aimerais vous interpeller. Mes frères, Bandi Kunanga, ba papa, s'il vous plaît. Bolongola rogaye na bino. Bolongola ego na bino. Bofanda, bo solola. Eloko eleki dialogue ezala kate. Eloko eleki immunité ezalite. Eloko eleki bo moko ezate. Eloko nyoso ezalaka na solution. Bo yebi yango na se mitema na bino ke soki tokei na modèle otozo kende. Toko perdre. Le peuple va perdre. Félix Tshisekedi. Souviens-toi du combat de Thiès. Il s'est bâti pour la démocratie de ses peuples. En 2011, il a gagné les élections. On ne lui a pas donné les pouvoirs. Il a réclamé l'impérium jusqu'à sa mort. Félix, s'il te plaît. S'il te plaît. Vous pensez réellement que les 23 Kabila, avec son système, va proclamer quelqu'un d'autre en dehors des Chadari? Moi, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas. Mais si vous êtes divisés, vous leur donnez seulement la voie d'arriver petit à petit à mettre en place leur dauphin. Et le peuple va demeurer dans la souffrance éternelle, s'il vous plaît. Ressaisissez-vous. Martin Fayulu. Félix Tshisekedi. Ici, j'ajoute encore Jean-Pierre Mbemba. Jean-Pierre Mbemba, s'il vous plaît, papa. Ces personnes qui vous ont armé, ces personnes qui vous ont ramené à la table des négociations, qui vous ont amené aux élections de 2006. Ces mêmes personnes vous ont volé votre victoire. Ils vous ont emprisonné pendant 10 ans. Jean-Pierre, s'il vous plaît. Pourquoi tu ne comprends pas la souffrance de ces peuples? Pourquoi vous n'êtes pas là pour rassembler? Mettez vos égos de côté. Moïse Katumbi, toutes ces personnes qui se disent figures de l'opposition, je ne suis pas là pour juger l'un ou l'autre. Je suis là seulement pour vous interpeller. Mettez-vous ensemble. Ce n'est qu'ensemble qu'on changera l'histoire de notre pays. Ce n'est qu'ensemble que le peuple va jouir de ses richesses. Ce n'est qu'ensemble que nos enfants auront une bonne éducation. Ce n'est qu'ensemble que nous aurons le minimum que le peuple réclame. S'il vous plaît, ressaisissez-vous. S'il vous plaît, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous avez perdu la raison? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui nous arrive? Ma maman, toutes ces femmes formidables qui sont à côté de ces messieurs, s'il vous plaît, jouez votre rôle. Vous quittez sa bango mitema, vous mettez ma bango et si comme on sangana, s'il vous plaît. Vous talandez bana la biso bazo souffrir, ma maman. Bota la bana biso ya est ndenge bazo souffrir bana o balongola bango esengwa vie à cause de la guerre bana na Kasai bota la souffrance ces enfants à Kinshasa qui sont dans la rue en train de se prostituer ba kuluna dans la rue ce sont nos enfants est-ce que pona kozala maman ozaka ka maman ya mwana oyo me makina libumuna yo
Non, moi je ne crois pas. Tous ces enfants, ce sont nos enfants. Bas ça un abisso. Bas ont mérité éducation à malamo. Bas ont mérité bas soins de santé à malamo. N'est au bundara chaque jour. Pour moi, na yo oyaza pembeni na yo azanga lipaté. C'est la même chose que nous devons nous battre pour tous ces enfants là. Ce sont nos enfants. Nous sommes les mamans pour ça. S'il vous plaît, ces enfants méritent la paix. Bah maman, bisonde to pesara bo moi. Bah maman, bisonde toza ba première bateau to pesara éducation to mema ka kimia. Bisonde to pesaka éducation tout à la cara ninge to bunda ka pemela ba na biso chaque jour pour ba na biso bazana na ba valeur à malam. Ce qui société zo ke na moto, et ça pour biso to sala sala malam ou te. Mais tout se ressaisir te bah maman. Tous ont la raison, s'il vous plaît. Tous à la bateau malam ou pembeni à bateau et au bazar pembeni la bisso. Tout ce qui a repéré sa moto, tout le monde a orgueil. Orgueil et tout le monde a la bisso, n'a raison. Peuple congolais, n'a yé li se pas na bino, n'a ton ou alélo. Peuple, nous sommes la clé. Nous sommes la clé de toutes choses. Le changement de la RDC dépend de nous. Nous sommes la clé. Tout ce qui a tombé dans le piège, il y a classe politique qui a divisé biso. Les tribalismes, ils ont anti-valeur. Les tribalismes, ils ont fait perdre biso raison. Les tribalismes, ils ont fait perdre biso cible na biso. Peuple congolais, Moulouba, Moukongo, Swahili, Mungala, Bandundu, tous les biso sont bandeko. Dénominateur commun na biso ezali Congo. Nous sommes un peuple, nous sommes une nation. Nous sommes une nation, on s'est toujours battu, on a toujours dit non à la balkanisation. La classe politique est balkanisée, bisoté pour avoir un intérêt personnel et égoïste. Tout perdre cible, bisoté, peuple. En fin de journée, bisoté ton souffraka. En fin de journée, bisoté ton zozanga yakolia, ton zozanga misala. Ressaisissons-nous, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? N'a pas un moment aussi très déterminé. N'a pas un moment délicat. S'il vous plaît, tous se ressaisir. Peuple congolais, partout où nous sommes, ceux qui sont au pays, ceux qui sont à la diaspora, ressaisissons-nous. Tous ont la raison, pardon. Ça peut tous nous arriver d'être emportés. Ça nous arrive tous d'être emportés. Ressaisissons-nous. S'il vous plaît, c'est encore possible de se mettre ensemble. C'est encore possible de regarder la même direction. C'est encore possible de nous en débarrasser de ces systèmes. C'est encore possible de changer l'histoire de notre pays. Rien n'est impossible, peuple. S'il vous plaît. Martin Fayulu, Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Mbemba, Moïse Katumbi, Kamere, toutes ces personnes, je cite les noms. S'il vous plaît, ressaisissez-vous. Est-ce que vous comprenez les messages que le peuple vous donne? Quand vous revenez au pays, na journée à mon sala, bomoni batuba tondi na aéroport Kozwabino, est-ce que vous comprenez ce qu'il y a derrière ça? Ça montre que le peuple n'a pas de travail. Ça montre que le peuple n'a pas quoi faire. Est-ce que ça vous interpelle pas? Interpellera la conscience, na binoté. S'il vous plaît, vous avez un spectacle d'avenir, il y a bateau. Les sangs coulent chaque jour au Congo. Banabazo koufa. S'il vous plaît, vous avez mité maté. S'il vous plaît, Nathan Walelo, je ne suis pas là pour condamner quelqu'un. Je ne suis pas là pour juger une personne. Mais je suis là seulement pour nous interpeller, filles et fils de la République démocratique du Congo, de nous mettre ensemble. Il n'y a personne qui est plus important que l'autre. Nous sommes tous égaux. Nous avons tous des qualités. Nous avons tous des défauts. Mais tu capitaliser ma qualité na biso. Tu mettre de côté ba oyo et ba anti valeur ko ezo aider bisoté. To sungana, to simbana, to sangana. Totala na direction moko. Ko ezali a victoire. Victoire e ko yakaka soki to simbani. Victoire e ko yakaka. Soki to tali na kati a direction moko ko ezali a changement. Nous sommes capables d'y arriver. On y arrivera si nous sommes déterminés. Peuple congolais, il y a eu des personnes qui ont donné de leur vie. Naba États-Unis, comme les gens, comme des Martin Luther King. Il a perdu sa vie à 39 ans. Il s'est battu pour la justice de l'homme noir. Aujourd'hui,
si aujourd'hui les Noirs peuvent vivre, peuvent aller à l'école, si on peut avoir un président noir à la Maison Blanche, c'est parce qu'il y a eu des gens qui se sont battus. Alors, les personnes qui étaient restées derrière leur combat, balinga qui va maintenir victoire, wana. Tolinga to maintenir victoire, yaba héros, nabiso bakweya. Tolinga to maintenir victoire, yaba Lumumba. Qui a donné sa vie juste à 36 ans, il est parti. De Rosy, un jeune de 36 ans qui est parti, père de famille. Il y a tant d'autres, ces étudiants, toutes ces personnes, ces enfants violés chaque jour. Makila Nabango, s'il vous plaît, to bafoué en goté, to boycotté en goté. Nous sommes un peuple, nous sommes une nation, ressaisissons-nous, mettons-nous ensemble. La victoire est certaine. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse chaque fille et fils de la République démocratique du Congo. Ensemble, nous changerons l'histoire de notre pays. Je vous remercie.